Salut les amis, alors voici un petit tutoriel pour Roger, ça m'a l'air battre curieux ce Genshiro matin. assez facilement. J'ai dû mettre 5-6 minutes pour le battre à peu près. Je vous laisse regarder la cinématique et je vous explique tout ça. もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し。主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬようだ。参る。Alors pour cette première phase, rien de bien compliqué, juste attaquer et parer les attaques au bon moment. À savoir aussi que si vous l'avez le contre Mikili, vous êtes très grande utilité, comme vous allez le voir, parce qu'à un moment il va sauter et dès qu'il va atterrir, il va essayer de vous empaler avec son katana, et là il vous suffira donc de faire un contre Mikili pour l'arrêter et pouvoir lui mettre un coup après. Et en plus, niveau dégâts de posture, ça fait énormément de dégâts. Vous voyez comme je viens de le faire à l'instant. Et tout le combat tourne autour de ça. Les esquives, les parades et le contre-mikili au bon moment. Voyez, c'est vraiment rien de bien compliqué. Faut juste faire attention à ça. Et surtout ne pas faire comme moi. Là j'ai été trop gourmand et du coup je me suis fait toucher bien comme il faut. Alors pour ce deuxième tour, c'est le même principe, sauf qu'en fait, quand il saute en l'air et qu'il atterrit, souvent, au lieu d'essayer de vous empaler, regardez, là, là il a essayé de m'empaler, je me suis fait avoir, mais souvent, au lieu de faire ça, en fait, il va tourner sur lui-même, et le but, ça va être de sauter et de lui réatterrir sur la tête pour le déstabiliser. Soit ça, soit faire une roulade pour esquiver si vous n'êtes pas à l'aise avec le contre par saut. Mais c'est vraiment pas un combat très compliqué. Il demande juste pas mal de concentration et d'application, mais c'est pas très très compliqué. Pareil, quand il s'éloigne, à l'image de Miss Papillon, il va nous envoyer des flèches. Miss Papillon fait des cunaïs, lui fait des flèches.
D'ailleurs, c'est un combat assez similaire à celui de Miss Papillon. Hein. Beaucoup de corps à corps, et dès qu'on s'éloigne, ils envoient des projectiles. Donc c'est pas très très différent au final.惜しいな。主を変えるつもりはないか。ざれ言。ざれ言だと。俺はこのアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ。 Alors pour cette troisième phase, encore une fois, rien de bien compliqué. Toujours ce système de parade et d'esquive. Et le plus dur, enfin, même pas le plus dur, mais le plus chiant, je dirais, c'est quand il invoque les éclairs pour nous les envoyer dessus. Et là, en fait, quand il fait ce système d'éclairs, il suffit de sauter en l'air, d'appuyer sur L1 pour parer l'éclair et de lui renvoyer aussitôt avec R1. Et là, ça le stun. Et vous pouvez en faire quasi ce que vous voulez. Sinon, le reste du combat est assez similaire aux deux premières phases. Allez là, voilà, comme ça. Et là, vous pouvez le finir tranquillement. Voilà. Et vous l'aurez battu entre 5 et 6 minutes. J'ai fait quelques erreurs dans le combat. Donc je suis même sûr que vous pouvez le battre en moins de 5 minutes facilement. Donc voilà, c'était un petit tuto pour vous aider à battre Genshiro si vous avez un peu de mal avec ce combat pas très difficile au final. Je vous laisse profiter de la fin de la vidéo pour voir un peu ce que l'on fera au prochain Let's Play de Sekiro. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si c'est pas encore est-ce que vous verrez la vidéo, et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません。巫女の忍びを、源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは この国は俺のすべてだ。その為なら俺は人間をやめよう。死人帰りか。さらば。
ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は竜院の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への踏み、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、竜院は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとてきっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む。不死のちぎりも、落ち水も、流害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は、竜院の不死が生む、よどみの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。できません。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため幾度死に、そしてよみがえってくれた。二度か三度か、あるいは数えきれぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギョイ。ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし、宣教とは一体？うん。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は？かつて、このアシナの城には、私とは、別の竜院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名は、タケル様。この香炉は、その方にゆかりのものだ。そのお方は、今は？亡くなられて久しいようだ。源の香気まといて戦況へ帰る。そう言い残されたとか。つまり、源の香気、それが戦況に行き着く鍵ということ？おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。
て、いかにして調べるか。この城には、タケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め、集められたものだろう。私は、そちらを探ってみよう。戦況への行き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば、一心様だな。あのお方ならば、何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。一心様は、この天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただ、その離れは閉ざされている。少し、お加減がな。入る術は？屋根上に、夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。夜鷹の衆は、目印に呪しを使うとか。ああ。夜鷹の呪しをたどれば、一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。